On est chez Alpha Cool, on va vous parler du boîtier, le Apex Pro Skeleton. Alors moi je vous le dis tout de suite, j'adore ce boîtier, j'adore les boîtiers type... Années 80 de voiture. Années 80 de voiture de boomer. J'adore les boîtiers de type open frame avec des tubes comme le D-Frame qu'on avait par exemple chez InWin. Je trouve que c'est absolument magnifique. Avec le Apex Pro Skeleton, on est sur un boîtier qui va proposer une structure tubulaire en carbone, en vrai carbone, hein, pas en imitation carbone. On va voir tous les adaptateurs pour installer les ventilateurs, les SSD, les alimentations qui vont être aussi en vrai carbone. Donc c'est vraiment ultra beau, c'est ultra bien fait. Sur l'avant, on va avoir une plaque qui est compatible 3 x 120 mm. Sur le côté droit, on va retrouver une autre plaque qui est compatible 3 x 120 mm. Donc tout avec du carbone. Ici, le panneau de contrôle avec les USB 3, le bouton power qui est juste magnifique, un peu à l'ancienne. J'adore. Et sur le dessus, on va retrouver une nouvelle plaque qui est intégralement en carbone en 3 x 120 mm. Le boîtier sera livré avec son support pour carte graphique à 90 degrés, avec un Ryzen PCI Express 16X en 4.0. On aura la possibilité de mettre du SSD et du HDD sur des plateaux qui sont eux aussi en carbone. Et le boîtier sera livré par contre sans ventilateur. Alors, on va parler un petit peu tarif. C'est là que ça pourra poser un petit peu plus de problème. On sera sur 800 €. Mais pour 800 €, vous allez avoir le boîtier, les tubing carbone. Toutes les pièces sont en aluminium. On va également avoir la distro plate complète qui sera livrée de base et donc le support pour la carte graphique avec le Ryzen PCI Express 16X 4.0. On aura normalement une seconde version qui arrivera, alors moins orientée water cooling, donc sans distro plate, sans support à 90 degrés, sans le tubing en carbone, mais on sera sur un tubing qui sera en aluminium et avec toutes les autres pièces en carbone, et le prix devrait retomber aux alentours des 400 €, ce qui là est clairement raisonnable pour un boîtier alu avec des pièces en carbone. Et moi je le redis, j'aime vraiment beaucoup ce boîtier et je suis très pressé de le tester. Tu m'étonnes. On va passer au water cooling maintenant, qu'on pourra intégrer dans le boîtier bien entendu avec les nouveaux Core One Waterblock processeurs. Donc on le voit en termes de design, on verra la génération actuelle derrière. Ça clairement n'a, ça n'a rien à voir. C'est beau. On peut le dire, c'est beau. C'est beau. Alors il y a du RGB si on veut bien entendu, par exemple sur ce modèle qui va s'éclairer ici, mais on a aussi du beaucoup plus sobre. Alors à savoir à l'intérieur, tout nouveau maze, on retourne sur le c'est pas un maze en ligne, du coup ça permet une meilleure distribution du liquide à l'intérieur. C'est un cross maze. Merci. Donc c'est aussi pour ça que la disposition des filetages est légèrement différente. Et un autre point aussi qui a changé, c'est le point d'injection de l'eau à l'intérieur du maze. Donc maintenant l'eau est injectée. Vraiment, dès que le maïs est là, l'eau est injectée dessus pour pouvoir se dissiper à l'intérieur et utiliser les micro-canaux. Parce qu'en fait, avant, il y avait un tout petit écart. Ils ont remarqué en fait que l'eau est feignante. C'est exactement ce qu'on a dit. L'eau est feignante, elle va au premier endroit où elle peut passer. Donc, si on laisse un espace sur le tube, elle va d'abord elle va d'abord passer en fait sur la base supérieure du bloc où il n'y a pas de chaleur. Donc, c'est pour ça qu'ils ont repoussé un petit peu le point d'injection pour que ce soit mieux injecté à l'intérieur du maze. Après, moi, j'ai rien à dire. Je trouve ça ultra beau. Le petit RGB sur une config noire et blanche avec un petit liseré blanc. Oui. C'est superbe. Au niveau de la base, petite modification aussi. C'est plus gros. C'est du 6x6. C'est du 6x6 puisque les processeurs chauffent plus. Donc ça, c'est les explications que nous ont donné Alpha Cool. Les processeurs chauffent plus. Donc en fait, ils ont décidé d'augmenter les bases pour pouvoir dissiper plus de température, plus de chaleur, tout simplement. Après, on pourrait parler de U et compagnie, on va juste dire que c'est joli. Voilà, c'est plus pour du serveur. Ensuite, il va y avoir le nouvel IO Water Cooling, dont je ne connais pas du tout le nom puisque la fiche technique a disparu. Alors le point, disons-le clairement, les water cooling IO chez Alpha Cool, ça n'a jamais été très cool. Un peu trop cool peut-être même. Un peu trop cool. C'est-à-dire que le design était vraiment so-so, un peu brut, vraiment brut. Les connecteurs pour pouvoir ajouter de la loupe,
c'était aussi un truc assez gros, assez immonde, avec du rouge, du bleu. Là, on a un tout nouveau design, que ce soit pour la pompe de Waterblock. On va reprendre en fait... On reprend le style des nouveaux Core One. Voilà. Et d'ailleurs, à l'intérieur, c'est du Core One. Hein. Tout simplement, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est la même structure avec une pompe DCLT qui est installée. Voilà. Et toujours la possibilité de pouvoir ajouter un autre morceau de radiateur ou un Waterblock pour... La carte graphique. Pour la carte graphique. Et on est entièrement cuir pour le radiateur. Cuir. Pardon, cuivre pour le radiateur. Ensuite, radiateur en cuir. Non, je sais pourquoi tu voulais que je fasse, c'est trop petit en fait. Oui, je suis trop petit. Ouais. On va prendre les ventilateurs. Alors, les ventilateurs Apex Steels en métal. Il y aura des versions plastiques. Alors, c'est en métal, c'est lourd, hein, clairement. C'est en métal. On est sur du haut de gamme à 26 euros l'unité. Non, 36 euros. Pardon, 36 euros l'unité. Et c'est 16 euros ensuite si on passe sur du plastique ? Oui. Waouh. Wow. Le plastique, c'est bien aussi, des fois, du coup. Le plastique, c'est fantastique. C'est un truc de boomer. Hein. C'est un truc clairement, de personne ne va avoir la référence, là. Si, quelques-uns. Quelques-uns, ouais. Alors, pourquoi c'est aussi cher ? Alors, on va vous l'expliquer, parce qu'il y a une raison pour expliquer ouais, pourquoi y a c'est vraiment aussi cher. Pas, déjà, c'est pas que le métal. Déjà, on a deux pièces en aluminium qui sont faites à la CNC. Donc, clairement, il faut acheter l'aluminium, il faut les passer dans la machine. Déjà, ça demande du temps. Ensuite, en fait, on a une sorte de ventilateur en rond. C'est un module avec deux joints en caoutchouc. Et en fait, cette partie en métal, elle vient pour prendre en sandwich le ventilateur et forcer sur la structure du ventilateur pour que le joint en caoutchouc fasse la jonction parfaite entre la partie en métal et le ventilateur pour qu'il n'y ait aucune déperdition d'air. Ensuite, on a des toutes nouvelles pales. C'est des pales qui sont uniquement chez eux. Il faut savoir que tout le ventilateur, il est breveté. En dessous, on va avoir un moteur 6 pôles. On le sait, un moteur 6 pôles, ça permet de démarrer beaucoup plus bas. Ça a plus de couple, hein. C'est comme si on était sur un 4 cylindres et un 6 cylindres. Ça va avoir plus de couple, ça va permettre d'aller aussi beaucoup plus vite. Hein, on a des modèles qui vont à 2400 tours, je crois, maximum. Ouais. Et ça envoie du lourd en termes de débit. Les nuisances sonores, on ne va pas se prononcer sur un salon, non, c'est pas évident. C'est impossible à entendre. Et on le voit là, on est à... 0,5 mm je crois sur l'espace ouais, on est entre vrai, le bord faible. Et tout. Donc c'est vraiment ultra bien fini. C'est ultra cher mais on est vraiment sur du ventilateur qui est ultra haut de gamme et qui est ultra beau. Oui, clairement. Allez, très beau. On repose. Et on va voir un peu de RGB quand même. J'ai fait une boulette. Je m'en occupe. RGB de ce côté avec du radiateur. Oui, du radiateur RGB. Dankeschön. Donc, on est sur du cuivre, full pas cuivre. Du cuir, full cuivre, avec, alors, il y a le RGB, moi j'ai envie de dire, on s'en fiche un peu, non, là, ce qui compte, c'est qu'on passe de 12 à 16 passages pour le liquide, donc, clairement, il va falloir une pompe qui envoie du lourd, un ventilateur qui envoie du lourd, pour des performances toujours supérieures, et l'épaisseur, on n'est pas non plus sur du 27 mm. Après, vraiment, en RGB, on peut aussi parler des distroplates. Aurélien, tu as peut-être plus suivi que moi pour les O-ring. Ouais, tout à fait. Alors, en fait, il y a un nouveau système de fixation pour... Attends, tiens. On va prendre la 240. Il y a un nouveau système de fixation, en fait, pour les embouts en un quart. Parce qu'en fait, les embouts en un quart, avant, ils étaient plutôt vissés avec des joints toriques pour l'étanchéité. Et en fait, si on vissait trop, par exemple, son embout au-dessus et qu'on desserrait, on pouvait desserrer aussi le fitting qui était en dessous, ce qui pouvait être problématique. Donc maintenant, en fait, les fittings, ils sont insérés en force avec deux joints toriques à l'intérieur. On en a un dans la partie basse, un dans la partie supérieure. Et en fait, le fitting, au lieu d'être rond dans la partie basse, il va avoir deux encoches droites. Il est rentré en force. Et donc, en fait, comme il y a les deux encoches droites, il ne peut plus tourner puisqu'il est plus rond. Il est dans un emplacement qui est... Vous le voyez ici, on est sur du plat en fait. Donc le fitting ne peut plus bouger, ce qui va éviter tout simplement de déplacer les fittings. Et puis ça va aussi limiter tout ce qui peut être craquelure sur le plexiglas. Donc c'est plutôt une bonne idée. Et là sur la tranche, on voit les deux joints qui vont permettre de faire l'étanchéité. En parlant de distroplate et radiateur, on va vous parler du nouveau système de fixation. Donc on va faire demi-tour, on va aller voir un NV7. Attention à la marche, je suis déjà
déjà failli me croûter deux fois. Il y a un nouveau système. Alors, fixer une distro plate à un radiateur, c'est pas forcément toujours évident. Non, c'est même super galère. Donc, il y a un nouveau système qui a été inventé par AlphaCool, qui est un système tout simple. On prend, ça c'est un petit cône en plastique avec une vis. On vient le visser à l'intérieur de la distro plate. Et ensuite, on va mettre des sortes de têtes coniques au niveau du radiateur. Et on va tout simplement venir pousser comme ça la distro plate contre le radiateur. Et ça va venir clipser en fait la distro plate sur le radiateur. C'est simple, rapide, efficace. C'est cool. C'est facile. C'est voilà. AlphaCool. C'est AlphaCool. C'est cool. À bientôt.